Du titre et du sujet du film, c'est-à-dire que ça s'appelle le gérontophilien, et en même temps on sent un vrai plaisir à filmer la jeunesse de Pierre Gabriel, parce que le film aurait pu aussi s'appeler Pédophilia, par exemple. Ouais. Je vais apprendre en. Bien. The thing is, when I was thinking about writing the script, I was thinking. Of course, the first film to come to mind is Harold and Maude, which is a film about a young guy who falls in love with an old, elderly woman. But for me, I started to think more about reverse Lolita. So I was thinking more about a scenario where the old man becomes the object of desire, and the young man is the one who is sexually attracted to the old man. So, and then somebody said to me when I wanted to call it gerontophilia, they said, well, it's the original Nabokov novel is not called pedophilia, you know, so why would you call it gerontophilia? But for me, it's... the word gerontophilia is a double meaning because it's both about a love for the elderly, a sexual attraction, but also a love, like an appreciation, respect, a reverence for the elderly. So it has a double meaning. Quand j'ai commencé à écrire le scénario, bien sûr, je pensais tout d'abord à Harold et Maude. Qui est un film qui parle d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une femme assez âgée. Et après, l'idée m'est venue de faire une sorte de Lolita à l'envers, où l'objet du désir serait quelqu'un d'âgé et celui qu'il aime, quelqu'un de jeune. Et après, quelqu'un me disait pourquoi Nabokov n'a pas appelé son nom pédophilia, le titre du livre, pourquoi ça s'appelle pas pédophilia, donc ça veut dire qu'il peut se permettre d'appeler un film gérontophilia, puisque pour lui ce mot veut dire aussi amour, respect, tendresse pour une personne. Il y a aussi, enfin vous parliez d'Harold et Maude, je crois que la référence est assez forte pour plein de gens. Est-ce qu'il y avait aussi l'idée de faire un film plus, on dirait mainstream, ou en tout cas de toucher un public plus large qu'avec vos films précédents? The intention from the beginning was, for me, was to try something different. If any of you know my other films, I've made very pornographic films, very low budget films, guerrilla style filmmaking, you know, without any money and pornographic. So I felt like I explored pornography a lot, and my previous film, L.A. Zombie, was very extreme and very controversial. And in Australia, etc. So I thought it was time for me to change gears for once and make something more accessible. And so it was also a process of going back to Canada. I hadn't made a film in Canada for 16 years or something, since 1993, because I could never get financing there. And so going through the more mainstream channels of getting financing with government financing agencies like Telefilm and Sodec. And so it was a whole different process. But the intention from the beginning was to make something more accessible. Depuis le début, je voulais faire quelque chose de différent. Vous connaissez mes films précédents qui sont pornographiques, qui sont des films à tout petit budget, qui sont des films de guérilla, faits parfois sans autorisation. Et là, en pensant que j'avais assez exploré le côté pornographique, je voulais faire quelque chose de différent. Et ça a à voir aussi avec le fait d'être retournée au Canada
et d'être passé par les guichets de financement plus conventionnels, plus mainstream. Il n'avait pas fait de film au Canada depuis 13 ans. Et donc, oui, c'est une intention consciente de faire un film qui s'adresse à un plus large public. But people ask me if this is like a new direction, and blah, 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 and I say, no, I've already completed another film called Pierrot Lunaire, an experimental film, which will be at the Berlinale, and it has a cum shot in it. Donc, les gens lui demandent si ce film marque une nouvelle direction dans sa cinématographie. Et il dit que non, puisqu'il a fini un autre film qui sera à Berlin en 2014, qui s'appelle Pierrot Lunaire, d'accord. Où il y a des scènes qui renouent avec ses films précédents. C'est le come shot. Pierre-Gabriel, est-ce que toi tu connaissais le travail de Bruce avant de travailler avec lui, et est-ce que tu as eu justement des appréhensions avant de faire ce film? Je m'étais informé sur le travail de Bruce, c'est certain, mais on m'avait aussi très bien averti que ça ne serait pas dans le même voie. On m'a averti que ça ne serait pas... ce serait plus pour un public général, puis j'étais très excité d'attaquer le projet. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Bon, allez-y, on est entre nous. Bonsoir. En fait, je vois tous tes films depuis 99, et là, je ne savais pas du tout de quel thème il allait s'agir. Et le métier que tu fais, en fait, c'est un métier que je fais depuis 3 mois. Et être soignant, et il le fait bien. Enfin, dans les 10 minutes ou un quart d'heure, on le voit avec les scènes, la toilette, etc. Enfin, voilà, c'est les bons gestes. Et bon, donc, il prend bien soin de la personne. Après, ça va jusqu'à la gérontophilie, donc là, c'est encore autre chose. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est de voir des corps de vieux. Qui sont pas dégoûtants, dégueulasses et répugnants. Érotisés. Pardon ? Érotisés. Bah, érotisés, alors moi j'ai pas cette idée-là, mais. En fait, oui, ton film, il est quand même révolutionnaire, parce que ça va quand même à l'encontre du jeunisme ambiant, etc. On parle du désir des vieux, de la sexualité des vieux. Et alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe au Québec, mais en tous les cas, en France, dans les établissements de santé, c'est quelque chose qui est quand même un peu tabou, quoi. Voilà. Pardon ? Non, c'était juste pour dire ça, quoi. Ton film est vraiment très bien. C'est une belle parenthèse enchantée. Ah, merci. Well, the idea was... in some ways, you know, the film is meant to be somewhat of a fantasy, you know, because that's why I made the character of Lake as a saint, because he does have this fetish for the elderly in general, and it's like a kind of an idealism, he has an empathy for the elderly, so. It's expressed sexually. So I think I did a lot of research for the film, and you know, people in these kinds of institutions are not encouraged to express their sexuality at all. They're encouraged. In fact, they're expected to repress their sexuality, and then even for homosexual people in these institutions, it's even worse, because there's no chance for them, or there's no opportunity for them to express their homosexuality either, and quite often in these institutions they have to go back in the closet, and they can't even express their homosexuality. So it's a problem. I mean,
there's and it's been well documented and it's very clear that people of this age do have still have very strong sexual desires. So I wanted to come up with a story that where this character kind of is a very special. He's a gerontophile. He finds the elderly sexual sex objects, but it's kind of a mystery why. But it's partly because he is so empathetic. He just has a very strong respect and rapport with old people, and it that translates for him sexually. So it's meant to be partly a certain amount of realism, where this is what really happens to old people in these institutions. They're over-medicated so that they don't express their sexuality, but also they're kind of forgotten and they're not respected. And so I invented this character who goes against the grain of society. Bien sûr, dans le film, il y a un côté fantasy. Le personnage principal est un saint qui a beaucoup d'empathie et beaucoup de tendresse pour les vieux, mais cela s'exprime aussi sexuellement. Et il a fait beaucoup de recherches dans les institutions pour les personnes âgées au Canada, et le constat, c'est qu'on ne les encourage pas du tout à avoir encore un comportement sexuel. S'ils sont homosexuels, encore moins. Donc on les oblige à renier leur homosexualité. Le fait de les surmédicamenter a pour but d'inhiber leur désir sexuel, alors que c'est un fait bien documenté. Les personnes âgées ont une sexualité encore active. Bravo. Bon, quelqu'un peut-être veut poser une autre question. Si on peut faire passer le micro. J'en pose une très courte en attendant. C'est comment tu as trouvé les acteurs et comment tu as trouvé ce couple. Je sais même d'ailleurs que je crois que Xavier Dolan a failli être dans le projet. Again, for me, it was a completely different experience because I usually cast my films with it's low budget, so with not a lot of non-professional actors and. Or I just cast friends or people I know. So this film, I wanted to try something completely new, so I went through casting agencies, which I've never done before, and we auditioned many actors for both roles, maybe 25, 30 actors for both Peabody and Lake. And Pierre Gabriel was my first choice of the actors that came in. He had the quality that I was looking for, very innocent and young and open-minded. And Walter Borden, or maybe you should. Donc ça a été différent de mes films précédents. Avant, comme c'était des films à tout petit budget, souvent je prenais des acteurs non professionnels, alors que là, ça a été complètement différent. Je suis passée par un agent et nous avons auditionné pour les deux rôles principaux 25 à 30 personnes. Pierre Gabriel, ça a été le premier choisi parce qu'il avait les qualités nécessaires pour leur rôle. L'innocence demandée pour le personnage et l'ouverture d'esprit nécessaire. Et c'est comme ça qu'il a trouvé l'acteur qui joue Mr. Peabody. Pour Mr. Peabody, we spoke to many actors, but Walter Borden, who we cast, is a very well-known stage actor in Canada. He's also he's been a gay activist and a black activist since the '60s. He was probably the only Black Panther in Canada.
He's in his 80s and he's still acting. I mean, after this film, he did a production of Driving Miss Daisy on stage in Canada. And he also was just very. It was difficult to cast because I wanted an old man who was open with his body, and not afraid to show his body, and really someone who could understand the gay aspect of the character as well. And he's gay in real life, so he was for me the best choice. And the fact that he's black was a kind of very interesting to me because the character wasn't written for. Was basically written as a white character, so it was kind of colorblind casting. It was just by chance that he was cast in that role. But I think it adds another dimension to the film. Walter Bolton, le personnage qui joue Mr. Peabody, c'est un acteur de théâtre. Il a été activiste dans le mouvement gay et black. Ça a été d'ailleurs peut-être le seul Black Panther au Canada. C'est quelqu'un qui comprend très bien ces problématiques-là. Le personnage, initialement, il était blanc dans le scénario et c'est une chance, c'est une ouverture que l'acteur soit black. Ça apporte quelque chose de nouveau et tout à fait riche dans le film. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ce très beau film où les deux acteurs sont très beaux, le jeune et le vieux. Et moi, il me fait penser, parce que vous avez parlé des références qui vous ont amené au fait, qui vous ont inspiré pour ce film, il faut aussi penser à Théorème de Pasolini. Et merci aussi pour vos anciens films. Et en pensant à Pasolini, je me dis, il y a une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous vous êtes déjà censuré? Je vous demande pas si les autres vous ont censuré, mais vous-même. Merci. I always think of Théorème for all my films. C'est un film extraordinaire. I've actually done a stage production. I direct theater in Berlin as well, and I did a theater piece that was very strongly influenced by Théorème, so it's probably always in the back of my mind. The second part was censor myself. No, it was there was a middle part. Anyway, have I censored myself? Well, I mean, it's interesting being censored. Film is very tricky because it's a very expensive medium. You have to get the finances, and people are sometimes unwilling to give you money when you make sexually explicit films. So I've always made low-budget films, pornographic films, without any, with very low budgets, micro-budgets. And in that context, the great part about it is that you have complete freedom because there's not a lot of money involved, and so you don't have people telling you you can't, you can do this, you can't do that. I've had great freedom with all those films, which is why I make films. Maybe sometimes people think I shouldn't make like a neo-Nazi porn film, or my last film. Before this, L.A. Zombie, which was a gorn film, a gore porn film, like very extreme. These films would be impossible to make with big budget. So, but for this film, for Gerontophilia, the idea was there was really no censorship because from the beginning the idea was to make a more like I say, accessible film. For the first time, I have a rating in Canada where 14-year-olds can see my film, as opposed to it's rated X, so only everyone has to be over 18. And the idea was to make a film that is still
consistent with my other work in terms of the themes, in terms of the ideas of, about the characters who are misfits, who go against the conventions of society, etc. But to make it in a more, you know, slightly more conventional form, and to go through, as I said, a more industry kind of process. So not only working with casting agencies, but it was my first union film with, you know, with a much bigger budget and government financing. But this was the idea from the beginning. So the my first films, when you make low budget films, you have great freedom. Donc, les films précédents, étant donné que le budget était très petit, il avait une grande liberté à faire des films où, avec de la sexualité explicite ou des films néo-nazis pornographiques comme Elle et les zombies, ou des films gore pornographiques et zombies. Alors que depuis le début, pour Gerontophilia, il voulait faire un film plus accessible au public. Il est passé par le financement traditionnel, c'est-à-dire il a eu une aide du gouvernement et un budget plus important pour faire le film. Voilà, il a travaillé avec les syndicats et donc et avec les agents pour les acteurs. Ça, j'ai traduit. Mais par contre, la première partie de la question sur Théorème, justement, il disait qu'il a Théorème en tête à chaque film qu'il fait, puisqu'il est aussi metteur en scène de théâtre et il a fait une pièce de théâtre qui est fortement influencée par un Théorème. Toujours Théorème. Every film I make is a Tous les films qu'il fait, c'est des remakes de Théorème. Alors, je suis désolé, apparemment, il y a une séance après, et comme Bruce est un Nord-Américain, il est toujours très bavard. Il reste juste une question, et apparemment, le micro, je suis vraiment désolé. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour les films. J'avais une question à vous poser par rapport au personnage féminin, en fait. J'ai trouvé que votre film abordait de manière très sensible un sujet difficile et que à la fois vous avez été capable de rendre ces sujets à travers les personnages masculins, alors qu'on voit que les personnages féminins sont plutôt stéréotypés, on va dire. Et je voulais savoir si c'est un choix pour faire mieux ressortir l'histoire ou... quoi d'autre, voilà. Well, I think you know, my female characters are. If you've seen any of my other films, I always have very strong female characters who are. Usually more intellectual, more political, who see themselves as revolutionaries, you know, but and feminists. But sometimes for me, they're kind of like often the point of my point of identification in the film. I mean, they're the characters who articulate everything that's going on for everyone else. But then sometimes I also gently make fun of them or make them kind of funny characters as well, because which I relate to as well, because anyone who's an idealist or a revolutionary is always puts themselves in a position of contradictions or impossible situations, because you can never live up in my experience, you can never live up to complete idealism or revolutionary philosophy. It will always put you in a position where it's you're full of contradictions, and so I have great
reverence for these female characters, and I don't think there's any very many characters who are portrayed like this, female characters on screen, who are revolutionary, who go against, you know, all the conventions of what a female, you know, character is supposed to be like. But at the same time, there's a certain satire in you know, directed towards those characters as well. But for me, Desiree's like a very Si vous avez vu mes films précédents, vous avez pu remarquer qu'il y a toujours des personnages féminins très forts, très bavards, très très engagés, révolutionnaires, féministes. Et pour moi, ce sont des personnages dans lesquels je m'identifie, parce que c'est des personnages qui articulent les propos du film. Et ils se placent forcément dans un point où ils sont menacés par des contradictions, par le fait qu'ils sont idéalistes et en même temps, l'expérience fait qu'ils n'arrivent jamais à ce point d'idéal auquel ils rêvent. Donc effectivement, je me moque d'elles gentiment. Mais en même temps, c'est des personnages qui me tiennent vraiment à cœur. Et il n'y en a pas beaucoup dans le cinéma actuel, des personnages féminins très forts qui vont à l'encontre des conventions et qui veulent faire la révolution. But Desiree is, for me, very parallel to the other, the male characters, because she also is very... For me, the film was trying to be very subtle, but still kind of, you know, revolutionary, for lack of a better word. But because she also is like very experimental in her sexuality. She sleeps with an older man. She's probably sleeping with a girl, you know, as well. And she's very, her spirit is very experimental and kind of radical, which is... consistent with all my female characters. En fait, Désirée dans le film évolue en parallèle des personnages masculins, puisque elle expérimente, elle fait des expériences sexuelles, par exemple avec un homme plus âgé, certainement avec une femme. Donc, elle est dans le même. Elle est cohérente avec les autres personnages féminins et aussi avec le film qui est à la fois subtil mais révolutionnaire aussi. And even the mother is meant to be in a way the same way, because she sleeps with a lot of people, but she sleeps with her boss, she sleeps with the son of Mr. Peabody, without regard to race or age, in a way, you know, it's so she's also, in her own way, goes against the conventions of society. Et la mère est aussi révolutionnaire à sa façon, puisqu'elle couche avec son patron et elle couche avec le fils de Mr. Peabody, mais à sa façon, elle vit sa sexualité expérimentale. Je suis désolé, donc on est contraint par la séance suivante à partir. Il y a une projection de l'autre dans deux images. Il me semble.